Allez, on y va. Allez, U en avant, c'est parti, on y va. Allez. Jacob, c'est l'heure. Émilie, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tombée de la balançoire, mon bras est cassé. Quand j'étais petite, je tombais tout le temps. Tu t'es cassé le bras? Mon bras, ma jambe et mes doigts. Deux fois. Mon nez aussi. T'es tombée souvent alors? Oh oui, c'est vrai. Tu peux bouger tes doigts? Ton bras n'est pas cassé. Tu auras juste un bleu, ce n'est pas grave. Est-ce que je peux aller à l'école? Bien sûr, mais avant, tu te laves les mains. Tu es vraiment douée pour t'occuper des autres, Lindy. Parce que je sais faire la différence entre un bleu et une fracture. Parce que tu es capable de trouver les mots pour rassurer et consoler. Tout comme toi, maman. Lindy, qu'est-ce qui t'amène en ville? Je voulais acheter mes journaux et savoir si l'homme de ma vie acceptait de m'inviter au restaurant. Un de ces jours, tu sais, quelqu'un d'autre sera l'homme de ta vie. Et je crois que je serai très jaloux. C'est vrai, il y aura peut-être un autre homme dans ma vie. Mais tu seras toujours mon papa préféré. Ah, ça mérite le meilleur repas du restaurant. Tu as toujours su trouver les mots pour me convaincre. Ah, j'oubliais. J'ai entendu que le docteur Jackson cherchait un assistant. C'est pas vrai? Si, je t'assure. Je ferais mieux d'y aller avant qu'il ne prenne quelqu'un d'autre. Notre déjeuner! C'est comme ça qu'on remercie l'homme de sa vie. Clark, tu m'as fait de ces peurs. Merci, c'est en quel honneur? Je n'ai pas besoin de raison particulière pour vouloir offrir des fleurs à la femme que j'aime. Monsieur Davies, vous me faites perdre la tête. Assez pour voler un baiser? Tu n'as pas besoin de le voler. Grand-mère? Grand-père? Vous avez trouvé tous les œufs? Les poules rousses ont l'habitude de pondre dans la grange, vous y êtes allé? Non. Alors dépêchez-vous d'y retourner, qu'est-ce que vous attendez? D'accord. On recherche un assistant. Bonjour, docteur. Je suis venue pour le poste d'assistante. Oh, Belinda, je sais que vous y tenez, mais comprenez, c'est hors de question. Mais je sais quels sont les premiers soins à donner. Je sais aussi comment bander les foulures selon la technique du docteur Houston. Comment savez-vous cela? J'ai lu son livre, et aussi des manuels médicaux et beaucoup d'articles. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. Eh bien, lire quelques bouquins ne fait pas de vous une personne qualifiée. Si vous n'avez aucune expérience, tout ce que vous avez lu ne vous sert à rien. Mais c'est l'occasion, et je suis celle qui en sait le plus à Anderson Corner. Je n'en doute pas, Belinda. Mais comprenez-moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a déjà pratiqué la médecine. Je n'ai jamais voulu faire autre chose dans ma vie. Il n'y a que vous qui puissiez m'apprendre. Les femmes ne peuvent pas être médecins. Elles doivent se marier. Je ne vais pas me marier. Et dans l'avenir? Ah, docteur, et puis... Toutes les femmes veulent se marier et avoir des enfants. Et c'est exactement ce que vous ferez quand vous aurez trouvé l'homme de votre vie. Croyez-moi, le mariage, les enfants et la médecine, ça n'a jamais marché. Je n'abandonnerai pas. Le docteur Elizabeth Blackwell a postulé dans 21 écoles avant d'être acceptée à l'Université de Genève. Elizabeth Blackwell n'est que l'exception qui confirme la règle. L'Université de Genève pourra peut-être accepter votre candidature, mais moi c'est non. Bonne journée. Allez! Bonjour. Clark, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis passé en ville pour prendre quelques provisions au magasin. Alors, j'ai eu envie de m'arrêter pour discuter un peu avec toi. Et te demander si tu voulais venir dîner. Oh, c'est très gentil. J'avoue que je préfère dîner chez vous que chez moi. Oh, c'est vrai. Disons que Missy cuisine de façon originale. Ne t'inquiète pas, Zach, j'adore ma fille, tu sais. Mais je dois admettre qu'elle n'a pas hérité des dons de sa mère en matière de cuisine. Excusez-moi, shérif. Est-ce que je peux vous aider? Je suis Drew Simpson. Mon oncle était Hank Simpson. Hank était un homme bien. Toutes mes condoléances. Oh, merci. Monsieur? Davis.
Clark Davis. Notre maison est juste à côté de celle de Hank. Et c'était un bon voisin. Malheureusement, je n'ai pas eu le plaisir de le rencontrer. Nous vivions loin l'un de l'autre. Vous venez d'où ? New York. New York ? Je parie que ça doit être assez différent de notre ville. Oh oui, je dirais seulement que c'est beaucoup plus grand et que les gens sont plus cultivés et plus raffinés. Cet endroit, disons, a plutôt l'air rustique. Rustique. En fait, voilà, on m'a dit que vous pourriez m'indiquer où se trouvait la maison de mon oncle. Je peux faire mieux que ça. J'ai mon chariot juste à côté, si vous voulez, je vous emmène. Eh bien, ce serait très gentil à vous, monsieur Davis. Shérif ? Bonne journée. Vous y voilà. Ça. Des squatteurs ont vécu ici. Après la mort de votre oncle, j'ai bien peur qu'ils ne se soient pas vraiment occupés de la maison. J'aurais espéré qu'elle soit en meilleur état pour que je puisse la vendre. Vous ne restez pas ici ? Il n'en est pas question. Il y aura un peu de travail pour la retaper. Si vous ne bouchez pas ces trous dans les murs, vous risquez d'avoir des rats dans la maison. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait faire les travaux ? Vous ne voulez pas les faire vous-même ? Je viens de finir mes études de droit. Je connais toutes les lois, les règlements, la procédure, mais les travaux manuels ne sont pas mon fort. Je peux vous aider si vous voulez. C'est vrai ? Eh bien, merci, je vous paierai, bien entendu. Oh, c'est très généreux, mais non, merci. Je refuse que vous travailliez pour rien, monsieur Davis. Disons que je ne fais que rembourser une dette à un vieil ami. Alors j'accepte. Bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je vous suis reconnaissante d'avoir accepté de venir me voir aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de discuter depuis votre arrivée ici, Madame Kent. Je vous en prie, appelez-moi Sadie. Votre fils, Caleb, a énormément de capacités. Mais il est très en retard pour son âge, en particulier pour la lecture et l'orthographe. Ses devoirs ne sont jamais faits et il dit que vous ne l'aidez pas, ni vous ni son père. J'ai bien peur que mon mari Charles ne se préoccupe pas beaucoup des devoirs. Vous connaissez, j'en suis sûre, l'importance d'une bonne instruction. Je sais ce que ça représente quand on n'en a aucune. J'ai quitté l'école à 8 ans parce qu'il fallait que j'aide ma mère et que je m'occupe de mes frères et sœurs. En fait, je déchiffre à peine les mots écrits sur cette page. Alors c'était ça. Si vous n'avez pas aidé votre fils, c'est que vous ne le pouviez pas. C'est la même chose pour votre mari ? Il ne sait pas lire du tout. Je vais essayer de passer plus de temps avec Caleb. Mais avec 14 enfants qui ont des niveaux et des âges différents, ça ne sera pas très facile. Merci, Madame Tyler. J'apprécie tout ce que vous faites. Vous savez, Sadie, je pourrais vous apprendre à lire. Comme ça, vous pourriez aider votre fils. Je dois y aller, Madame Tyler. J'aurais dû m'en rendre compte. Les Kent ne parlent à personne depuis qu'ils sont arrivés en ville. Tu ne pouvais pas le savoir, maman. Mais il y avait des signes et j'ai été incapable de les voir. Salut, maman, Belinda, on mange quoi ? Ma spécialité à base de poule et c'est prêt, alors dépêchez-vous de vous laver les mains. Manger chez grand-mère ce soir ? Pas aujourd'hui, et obéissez à votre mère. Quel est son travail à Charles Kent ? Eh bien, George l'a engagé à mi-temps en magasin, et il fait aussi toutes sortes de boulots. Son but est d'avoir sa propre ferme. Comment est-ce que tu sais autant de choses ? Je lui ai demandé. Il n'est pas aussi loquace avec moi. En général, quand un shérif pose une question, il obtient une réponse. Si Madame Kent apprenait à lire, un nouveau monde s'ouvrirait à elle. C'est ce qui s'est passé quand maman m'a appris à lire. Oui, elle serait une autre femme. C'est peut-être ce que craint son mari. Pourquoi certaines femmes laissent leur mari décider pour elles ? Je n'en sais rien, Lindy. Je n'ai encore jamais eu l'occasion d'en rencontrer. Et tu ne l'auras jamais, Zachary Tyler. Oh. Mademoiselle, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Savez-vous s'il y a un médecin dans cette ville ? Vous êtes blessée ? Non, pas moi, c'est madame. Madame Stafford Smith, elle a perdu connaissance. Nous étions dans la diligence quand madame Stafford Smith a eu un malaise. J'ai peur que ce soit grave. Elle doit voir un médecin. C'est arrivé il y a longtemps ? Il y a une heure environ. Wow, wow. Docteur, je vous amène une patiente. Allez-y, allongez-la là, sur la table. Doucement. Ça va aller. Oh, soulevez-la. Voilà, c'est ça. C'est bien. Oh, attention bien. À sa tête. Voilà, ça va aller. Voyons ça. La respiration est régulière. Le pouls est stable.
Et sa peau est souple au toucher, docteur. Elle a commencé à avoir du mal à articuler. Ensuite, ses phrases n'avaient plus de sens et elle s'est évanouie. Elle a bu de l'alcool ? Bien sûr que non. Madame prend de temps en temps un apéritif, mais c'est une dame. Elle sait se tenir. Vous voyagez depuis longtemps ? Nous avons quitté Beacon Hill il y a 2 semaines. Quelle est la raison de ce voyage ? Madame voulait voir des amis à Denver, les Montgomery, une famille respectable. Est-ce qu'elle a eu une attaque ? Pour quelle raison dites-vous cela ? Ce sont les symptômes décrits dans l'anatomie de Grey. Pouvez-vous la soigner ? Malheureusement, je dois vous laisser. J'ai une urgence. Un accouchement par le siège. Mais vous ne pouvez pas laisser Madame Stafford Smith. Écoutez, je ne peux rien faire tant qu'elle n'a pas repris connaissance. Et son état semble assez stable. Je suis vraiment désolé, mais mon autre patiente est dans une situation critique. Alors, vous n'avez qu'à veiller sur elle jusqu'à ce que je revienne. Je vais rester, docteur. Enfin, j'ai pas le choix de toute façon, alors c'est d'accord. Maintenant, installez-la confortablement et gardez un œil sur elle. Je fais au plus vite. À tout à l'heure. Madame Tyler ? Bonjour, Sadie. Je suis venue vous parler. Mon fils a des problèmes à l'école ? Oh non ! Je vous rassure, ça n'a rien à voir. Je suis passée pour apporter des livres à Madame Kent. Je crois que ça peut l'intéresser. Tu lui as demandé des livres ? Non, non, elle n'a rien demandé. Je croyais que... Eh bien, vous aviez tort. Elle n'a pas besoin de livres. Mais si vous avez un travail à nous proposer, là, c'est une autre histoire. J'ai bien peur que non. Excusez-moi. Madame Stafford Smith, restez tranquille, calmez-vous. Madame, écoutez-moi, je suis le docteur Jackson. Ça va mieux maintenant, vous avez fait une attaque. Mes photos, je... Restez tranquille. Il faut mes photos. Calmez-vous, calmez-vous, vous devez rester tranquille, madame. J'ai votre sac, madame, regardez. Rien ne manque, tout est à l'intérieur. Elle semble avoir encore du mal à parler. Oui. Je vous rassure, ce n'est pas aussi grave que je le pensais. Je suis confiant. Ses problèmes d'articulation vont disparaître rapidement et elle va retrouver un phrasé normal. Elle est un peu paralysée sur le côté droit. Mais le côté gauche ne semble pas atteint. Dès qu'elle ira mieux, je lui ferai faire des mouvements pour sa rééducation. J'ai lu que ça donnait de très bons résultats. En fait, il faudrait que pendant un certain temps, quelqu'un veille sur elle pour pouvoir établir un diagnostic plus précis. Je ne quitterai pas son chevet, docteur. Je préférerais une personne qui a déjà un minimum de connaissances médicales. Belinda... Je suis d'accord. Attention, je ne veux surtout pas que vous vous imaginiez qu'il s'agit d'un poste permanent, jeune fille. Je n'ai pas changé d'avis sur les femmes et la médecine. Je serai un peu votre assistante. Pas tout à fait, c'est autre chose. Vous aiderez Madame Stafford Smith en faisant avec elle ses mouvements thérapeutiques. Et c'est tout. J'accepte. Ah, bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous ? Oui, je crois. J'ai un léger... problème. J'ai un furoncle qui est en train de me rendre fou. C'est que, à l'endroit où c'est placé, c'est très gênant, surtout quand je veux m'asseoir, vous voyez. Ça, c'est sûr. Un furoncle sur les fesses, c'est très embêtant, je comprends. Ouais. Allez vous mettre près de cette table et baissez votre pantalon, on va voir ça. Oh. Ah, vous avez raison. C'est un bien beau furoncle que vous avez là. Est-ce que vous pourriez me passer la pommade qui est posée sur la première étagère ? Mais arrêtez, ne touchez pas à ce bouton. Mais ça me démange. Et ça vous démangera davantage tant que vous continuerez à vous gratter. La voilà, docteur. Merci. Non, c'est pas vrai. C'est bon, ça ira. C'est pas grave. Attendez, c'est pour votre furoncle aux fesses. Quoi ? Quel furoncle ? Mais prenez au moins cette pommade. Belinda. Vous avez vu ça ? Voilà encore une autre raison pour laquelle je ne veux pas de femme. Comment je vais gagner ma vie si vous faites fuir tous mes patients ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Donc, si j'ai bien compris, tu veux engager Sadie à l'école, comme ça tu lui apprendras à lire sans que son mari le sache. Je trouve que c'est un plan ingénieux, non? Qu'est-ce que tu vas lui faire faire? Oh, les tâches ne manquent pas. Elle pourra balayer la classe, essuyer le tableau, mettre du bois dans le poêle, et ça lui permettra d'écouter les cours avec les enfants. Tu ne crois pas que tes méthodes sont peut-être, disons, déloyales? Je crois que Dieu pardonnera mes méthodes si j'offre à cette femme la possibilité de sortir de son ignorance. Combien de temps le docteur va te demander de faire la garde malade? Tant que Madame Stafford Smith aura besoin de moi. Ensuite, le docteur me renverra à la maison. Mais tu vas lui prouver que tu es tellement indispensable qu'il ne voudra jamais te laisser partir. Oui, c'est ça l'idée. Grand-mère, il y a une assiette de trop sur la table. Nous avons un invité pour le souper. Bonsoir. Entrez, jeune homme. Je vais vous présenter notre famille. Ma femme, Marty. Bonsoir. Bonsoir. Ma fille, Missy. Enchantée. Et voici ma petite fille, Belinda. Lindy, je te présente Drew Simpson. Il a hérité de la maison de Hank et il est venu de New York jusqu'ici. Ravi de vous connaître, monsieur Simpson. J'espère que votre long voyage jusqu'ici ne vous a causé aucun désagrément. Rien qui vaille la peine d'en parler. Au contraire, nous voulons tout savoir sur ce voyage. Je suis impatiente. Oui. Venez, racontez-nous. Je vous ai préparé du poulet frit, j'espère que vous aimez. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture. Bénis notre famille ainsi que notre nouvel ami qui nous a rejoints pour ce repas. Amen. 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 Ah, Jacob m'a dit, les invités d'abord. Voulez-vous du pain, monsieur Simpson? Merci. Je suis vraiment désolée pour votre oncle. C'était un homme bon. Belinda a passé beaucoup de temps avec lui les dernières semaines. Elle s'en est occupée jusqu'à la fin. C'est vraiment très gentil à vous. C'est vrai, Lindy a un grand cœur. D'ailleurs, elle aide le docteur Jackson. Je voudrais être médecin un jour. Oh, quelle drôle d'idée. C'est assez original. Je vous demande pardon? Une femme médecin, cela semble, disons, un peu déplacé. Un peu déplacé. Pourquoi une femme voudrait-elle s'imposer un travail aussi exigeant sur le plan physique et psychologique? Ça va chauffer. Je pensais qu'en venant de New York, vous auriez un avis plus éclairé sur les femmes. Par éclairé, je suppose que vous entendez un avis qui rejoint le vôtre. Les femmes sont tout aussi capables de pratiquer la médecine que les hommes. Je pourrais vous conseiller de lire plusieurs articles qui en parlent, au cas où vous auriez envie de vous instruire. Vous devez savoir que la plupart des hommes se sentent un peu gênés quand ils se trouvent en présence d'une personne du sexe faible. Ça, c'est vrai. Certains hommes peuvent être si intimidés qu'ils s'enfuient comme de vrais poltrons. Je voulais juste vous dire que, comme tous les hommes, quand je me marierai, je voudrais que ma femme reste à la maison. Elle aura assez à faire pour s'occuper de moi et de mes enfants. C'est sûr, elle aura du travail. Il reste des pommes de terre, si vous voulez. Oui, merci. Vous êtes réveillée? Bien. Comment vous sentez-vous, madame? Fatiguée. Attendez. Non. Arrivé. Vous parlez mieux aujourd'hui? Mais ce n'est pas le cas du bras. En faisant certains mouvements, vous pourrez retrouver l'usage de votre bras. Comme ceci. Non. Ne me touchez pas. Vous êtes réveillée, madame, mais c'est tout à fait merveilleux. Cessez de remuer comme ça, Winsor. Oh, je suis désolée, madame. Je crois qu'elle veut se reposer. Bien sûr, mademoiselle. Je serai dans la pièce à côté, madame. Je ne vous laisserai pas. Non, ne me laissez pas, Winsor. Vous savez, j'aurais été bien embêté si vous n'aviez pas été là pour m'aider, monsieur Davis. Je n'aurais jamais pu vendre cette maison. Ce n'est rien, je vous assure. Vous devriez faire attention avec ces fils de fer. Rouillé. Oh, non, attendez. Laissez-moi voir ça. Votre main. Non, 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 c'est rien. Ça. Ah, la blessure est assez profonde. Je vous conseille de faire très attention. Ces barbelés sont tout rouillés. Vous risquez une infection. Je veux que vous voyiez le médecin. Il faut vous faire soigner. Ce n'est pas grave, je vous assure. Allez-y, les blessures avec de la rouille sont dangereuses. Je finirai tout seul. D'accord, monsieur. Très bien. Oh. Bonjour, monsieur Simpson. Bonjour, mademoiselle Tyler. Je voulais voir le docteur Jackson pour ma main. Il est sorti voir des patients.
Qu'est-ce qui est arrivé? Une éraflure avec du fil de fer rouillé. Vous pensez qu'il en aura pour longtemps? Quelques heures. Laissez-moi voir. Le tétanos peut se déclarer rapidement. Dans certains cas, il faut couper la main. Je crois que vous exagérez. Je sais que vous êtes gêné en présence d'une personne du sexe faible, mais je vous conseille de nettoyer cette plaie rapidement, sinon l'infection se développera dès ce soir. Ensuite, ça pourrait être beaucoup plus grave. Vous avez gagné. Alors, pour que vous acceptiez de m'aider, combien de gages devrais-je accomplir? Juste assez pour me persuader que vous regrettez d'avoir dit qu'une femme ne peut pas être médecin. Oh, je vous promets que je regrette tout ce que j'ai dit. Très bien, entrez. Mon grand-père m'a dit que vous aviez fait vos études à l'Université de Columbia. Vous n'en avez pas parlé l'autre soir? C'est vrai, j'aurais dû vous le dire à l'instant où vous m'avez si gentiment proposé de m'instruire. Ça aurait été le bon moment. Vous avez beaucoup de chance d'avoir pu étudier à Columbia. C'est vrai, vous avez raison. Sans un diplôme, je ne pourrais jamais exercer. Les hôpitaux ne me proposeraient même pas un poste d'infirmière. Le problème, c'est que les études coûtent cher et je n'ai pas d'argent. J'essaie d'économiser ce que je peux. Oh, je vous ai fait mal, je suis désolée. Non, non, tout va bien. Je dois admettre que vous êtes très douce. Voilà, c'est fini. Gardez le pansement propre. Au risque de vous paraître vieux jeu, je me permets de vous dire que vous êtes brillante, très belle et que... Très belle? Oui. Vous allez sûrement vous marier très vite. Alors pourquoi perdre votre temps à commencer une carrière que vous allez devoir quitter après? Et pourquoi est-ce que tous les hommes pensent que je suis à la recherche d'un mari? Ce n'est pas votre rêve? Trouver un mari, vous installer et avoir des enfants? Parce que pour un avocat, tout est blanc ou noir, c'est bien ça? Eh bien, je dirais que c'est un peu simpliste, mais c'est vrai. La loi fait la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est une conception que j'approuve. En cela, nous sommes différents. Je vois toutes les couleurs qui existent. Et quelque part, entre le blanc et le noir, il y a mon rêve d'être médecin. Je dois repartir au ranch. Bien sûr. S'il vous plaît, saluez mon grand-père. Ces draps sont rêches. Ce sont les seuls que j'ai. Quant à ce lit, j'ai l'impression de dormir sur une planche. Et ce courant d'air qui soulève sans arrêt ma couverture, je me retrouve les pieds à l'air. Combien de temps dois-je encore rester ici? Vous pouvez emménager à l'hôtel aujourd'hui, Madame Stafford Smith, si Belinda est d'accord pour y aller aussi. Mais j'aurais voulu continuer à travailler avec vous. Elle a besoin d'une infirmière à ses côtés. Je croyais que c'est ce que vous vouliez devenir. Je veux devenir médecin. Bien, tout est réglé alors. Une décision. D-E accent aigu, C-I-S-I-O-N. C'est l'heure de la récréation. Vous pouvez y aller. Vous voulez que je les surveille, Madame Tyler? Oui, merci, Sadie. Est-ce que tout va bien? Tu as oublié ton déjeuner. Oh, c'est gentil de me l'avoir apporté, je meurs de faim. Merci. J'ai vu Charles Kent ce matin. Il m'a dit que Sadie était contente de travailler ici. Elle fait des progrès incroyables, chaque jour. Elle a déjà rattrapé Caleb. Maintenant, elle va pouvoir l'aider pour ses devoirs. Je sais ce que tu fais pour Sadie, mais Charles a sa fierté. La fierté conduit l'homme à sa perte. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas apprécier s'il découvre qu'elle fait quelque chose dans son dos. On se voit ce soir. D'accord. Windsor. Vous êtes sûre que c'est la plus belle chambre de cet hôtel? J'ai bien peur que oui, madame. Je suppose que ce sera toujours mieux que chez ce docteur. Encore que ses oreillers sont beaucoup trop plats, il me casse le cou. Enfin, il est sûr que le linge est de meilleure qualité. Croyez bien, je suis horrifiée de la médiocrité de cet hébergement. Mais je crains qu'il soit impossible de trouver mieux dans ce village de sauvages, madame. Mademoiselle Tyler, je vous en prie, entrez. Madame, je vais descendre au restaurant chercher votre thé. Veillez à laver la vaisselle, Windsor. Je doute que ces employés aient une quelconque notion de l'hygiène. Oui, madame. Comment vous sentez-vous, Madame Stafford Smith? Comment croyez-vous que je me sente? On m'oblige à vivre comme une pauvre sauvage, c'est affreux. Vous savez, nous ne sommes pas tous arriérés. Ah oui? Aurait-on oublié de me dire qu'il y a un opéra ici ou...
Ou une bibliothèque? Ou alors un grand magasin qui vend les dernières créations venues d'Europe? Non? Non, je ne le crois pas. Anderson Körner a d'autres choses à offrir. Ah, et lesquelles? Des gens charitables, une église qui ouvre ses portes à tous, même aux étrangers, et tout le monde s'entraide dans les moments difficiles. Avez-vous jamais eu l'occasion de voir autre chose que cette ville? En fait, je suis née à New York. Je suis venue ici à l'âge de 14 ans. Alors, je connais un peu le monde en dehors d'ici. Mais je préfère Anderson Körner. Vous aimez vraiment vivre ici? Comparé à New York, c'est le paradis sur Terre. Cette ville me manquera quand je ferai mes études de médecine. Eh bien, voilà une ambition assez inattendue de la part d'une fermière. Je pense que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Dieu? Ah, ne faites surtout pas confiance à Dieu, jeune fille. Il n'en a rien à faire de tout ce que vous pouvez espérer. Vous ne pouvez pas dire ça. La seule personne sur laquelle vous devez compter dans ce monde, c'est vous-même. On se sent bien seul si on ne peut pas faire confiance aux autres. Si vous aviez déjà eu à affronter les dures réalités de cette vie, je suis sûre que vous abandonneriez cette foi naïve. Croyez-moi, j'ai déjà eu à faire face aux dures réalités de la vie. Et sans l'aide de ma foi, je serais devenue comme vous. Comment cela? Remplie d'amertume. Wow, wow. Bonjour. Bonjour. Ah, Drew, je suis contente de vous avoir pour le souper. Tu peux aller chercher des œufs, s'il te plaît? D'accord, grand-mère. Ici, chacun apporte sa contribution. Allez-y, videz votre sac. Quoi? Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Je suis vraiment désolé. Je vous ai blessé. Je suis un peu brutal. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et vous? C'est une question de survie. Une trêve? Une trêve. C'est d'accord. Concentrez-vous quand je bouge votre bras. Imaginez que c'est vous qui le faites, d'accord? Vous savez, j'ai constaté que vous avez lu très tard dans la nuit. Je suis vraiment désolée. La lumière vous a réveillée? C'est mon âge qui me tient éveillée. J'éteindrai la lumière plus tôt ce soir. Je ne sais pas ce que vous lisiez, mais ça devait vous passionner pour ne pas dormir à cette heure-là. Ah oui, c'est les lois de la vie et ça a été écrit par le docteur... Elizabeth Blackwell. Vous la connaissez? Je suivis ses conférences à Boston. C'est une femme extrêmement intelligente. Ça doit être fascinant de pouvoir l'entendre parler. Vous avez l'air de beaucoup l'admirer. Elle est un exemple pour toutes les femmes qui veulent devenir médecin. Ah, c'est ça que vous voulez être, médecin? Je serais déjà contente si je pouvais devenir infirmière. Je sais que les études de médecine sont longues et vraiment très chères. Vous bougez le bras. Vos capacités d'observation sont tout à fait remarquables. Voulez-vous une tasse de thé? Maintenant, imaginez que vous allez boire votre thé préféré. Essayez de lever votre bras jusqu'à la tasse. Quoi? Comme un gentil toutou dressé? Comme une femme qui veut retrouver son indépendance. Vous êtes vraiment d'une impertinence, jeune fille. Et vous, vous êtes une patiente infernale. Si vous vous appliquiez à suivre votre thérapie, vous iriez mieux. Essaiera plus tard. Vous pouvez y aller dès que vous avez fini. Qui est Charles Dickens? C'est un auteur très talentueux. Si vous voulez l'emprunter, allez-y. Oh, non, merci. Au revoir, à demain, Madame Tyler. À demain. Bonjour les garçons, qu'est-ce que vous voulez? Maman voudrait de la farine. D'accord, de quelle sorte? En général, c'est de la farine de blé. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ça va, Monsieur Brown? Monsieur Brown! Papa, Monsieur Brown est malade! Georges? Docteur,
Il faut que vous vous occupiez de George. Il a très mal au ventre, il ne tient même pas debout. D'accord, allongez-le sur la table. Je vais l'examiner. Ça va aller, George. Vous avez vomi, hein? Ouais. Bien, vous n'avez pas de fièvre. Vous avez encore abusé des sucreries, c'est ça? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je dois retourner travailler. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. D'accord. Merci, Zach. À plus tard. Vous voulez bien aller chercher ma montre sur le bureau, Belinda? Et prenez son pouls. Vous vérifiez la souplesse du ventre? Puisque vous êtes si maligne, que dois-je faire maintenant? Appuyez sur le point de McBurney pour voir s'il est douloureux. 125. Et je suppose que vous avez un avis. Je crois qu'il a une crise d'appendicite. Et je pense qu'il faut l'opérer. Même si c'est une appendicite, l'infection n'est pas assez grave pour justifier une intervention. Mais si l'appendice se perfore, docteur... Non, calmez-vous, George, je vous assure, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez vous lever. D'accord. Écoutez, si vous avez de la fièvre, ou si la douleur devient insupportable, alors revenez me voir, même si c'est au milieu de la nuit. Voilà, une cuillerée à café 3 fois par jour jusqu'à ce que ça aille mieux. Et surtout, éloignez-vous des sachets de bonbons. Vous êtes un adulte, George, vous n'avez plus 5 ans. Oui, monsieur. Allez. Je vous remercie. Ouvrez bien vos oreilles, jeune fille. Un médecin sérieux ne recommande une opération que si elle est indispensable. C'est trop risqué. À moins que le patient soit en danger de mort. Mais il avait tous les symptômes. Si George avait eu une crise aiguë d'appendicite, il ne serait jamais resté sur cette table tellement il aurait eu mal. Il serait tombé dans les pommes. Il n'a rien de grave, ce n'est qu'un simple mal au ventre. Maman, c'est quoi ce mot ? Capturé. Et celui-là ? Éléphant. Et c'est écrit, alors, ils décidèrent tous de sortir pour capturer l'éléphant. Comment tu sais ce qui est écrit ? Maman apprend à lire à l'école avec moi. Elle est très douée. Vous avez une sacrée chance d'avoir une femme qui cuisine aussi bien que Marty. Je suis comblé, c'est vrai. Et je remercie le Seigneur tous les jours d'avoir guidé nos pas l'un vers l'autre. Quand avez-vous su que vous l'aimiez? C'est simple. Quand j'ai cru que je ne la reverrais jamais. Tout à coup, j'ai ressenti un terrible vide au fond de moi. Et je savais que si je la laissais partir, rien ne pourrait plus jamais combler ce vide. Au moins, c'était clair. Oui, très clair. Et vous, de votre côté? Racontez-moi. Vous avez peut-être une jolie fiancée qui attend votre retour. Non. Mon père voulait que je reste concentré sur les études avant que je ne m'engage sérieusement. Il a peut-être raison. Il a toujours raison. On dirait que c'est un homme qui est sûr de lui. S'il a eu un seul moment de doute, il ne l'a jamais reconnu. Il considère que c'est une faiblesse? Oui. Il dit que si quelqu'un sent une faille en vous, il peut s'en servir pour vous tuer. Ça doit pas être très facile à vivre. Oui, mais c'est souvent le cas dans les batailles juridiques. Alors, soit on monte tous les deux sur le toit et vous trouverez bien encore le moyen de vous blesser, soit vous allez en ville avec le chariot pour ramener le matériel. Je crois que le choix est facile. Charles! Oui? J'ai su ce qu'a fait votre femme. Avec l'aide de la vôtre. Elles m'ont menti. Je ne veux pas excuser Missy. Elle voulait rendre service et elle tenait à aider votre femme. Je vois pas en quoi ça vous regarde, shérif. Ou alors il y a une nouvelle loi sur la lecture que je ne connais pas. Vous savez, Charles, ce n'est pas honteux de ne pas savoir lire. Mais ça l'est quand on ne veut même pas essayer. Bonne journée.
Je sais, ça fait mal, mais c'est encourageant. Vos nerfs réagissent bien. Essayez juste de le lever un peu plus haut. C'est ce que je fais, j'essaie. Vous abandonnez trop facilement. Qu'est-ce qui vous donne le droit, jeune fille, de me parler de cette façon? Vous n'êtes qu'une petite paysanne, sans éducation, dans une ville abandonnée de Dieu au milieu de nulle part. Je n'ai pas été à l'université, mais je suis instruite et je suis loin d'être ignorante. Quant à mes origines, je viens d'une bonne famille qui pourrait vous apprendre ce que signifie ce mot. Ne remettez plus les pieds ici. Avec plaisir. Wichor! Mademoiselle! Mademoiselle, s'il vous plaît! Ne partez pas, attendez! Mademoiselle Belinda! Je suis désolée, monsieur, je n'ai pas votre patience, je ne supporte pas qu'on m'insulte. Madame Stafford Smith n'a jamais eu l'intention de vous insulter, mademoiselle. C'est peut-être normal sur la côte Est, mais pour nous, c'est une conduite proprement révoltante. Mademoiselle Tyler, puis-je me permettre de vous confier un secret? Regardez ces photographies. Voici Benjamin et Lucie, ce sont les enfants de Madame Stafford Smith. Je croyais qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle en a eu. Oh, je vois. Madame Stafford Smith a perdu son mari juste après la naissance de sa fille. De ce jour, elle n'a vécu que pour le bonheur de ses deux enfants. Et que s'est-il passé? Lucie est morte à l'âge de 5 ans de la scarlatine. Benjamin s'est noyé juste avant d'être diplômé d'Harvard. C'est terrible. Quand Madame Stafford Smith a perdu Lucie, une seule chose lui a permis de survivre, Benjamin. Et lorsqu'il a disparu, j'ai eu très peur que... Je suis vraiment désolée. Ça explique son amertume, mais... Ça n'excuse pas son attitude. Je voudrais que vous sachiez que Madame Stafford Smith n'a pas toujours eu le caractère qu'elle a aujourd'hui. Autrefois, c'était une femme généreuse. Essayez de la voir telle qu'elle était, avant que le malheur ne s'acharne sur elle et ne la transforme. Essayez de la comprendre, avec tout votre cœur, sans la juger trop sévèrement. Merci. Entrez. Puis-je savoir pourquoi vous êtes revenue? Je voulais m'excuser, Madame Stafford Smith. C'est impardonnable de parler à un patient comme je l'ai fait, compte tenu de tous les efforts que vous faites. Ce n'est pas dans vos habitudes de vous excuser de la sorte. Serait-ce lié au fait que Windsor soit sorti juste après vous? Il m'a raconté un peu votre histoire, c'est vrai, mais je vous en prie, ne lui en voulez pas. Il a sûrement mieux à faire que de raconter ma vie privée. Il vous est très dévoué. Il a fait ça uniquement parce qu'il pense que vous avez besoin d'aide. J'arrive à vivre toute seule sans l'aide de personne. Vous savez, on a tous besoin de quelqu'un. J'ai perdu ma mère, ensuite mon père et ma petite sœur. Quand j'avais 9 ans, avec mon frère, nous avons été confiés à un orphelinat. Comment êtes-vous arrivée ici? Par le train des orphelins. Ils nous emmènent de ville en ville, et les enfants sont donnés à qui veut les prendre. Parfois, on tombe sur une bonne famille, et parfois, c'est pas le cas. S'il n'y avait pas eu Missy et Zach, Jacob et moi serions séparés pour toujours. Je suis navrée pour vous, Belinda. Maintenant, vous savez pourquoi je ne crois plus en Dieu. Ce n'est pas une raison. Comment pouvez-vous toujours avoir la foi? Je sais que la mort n'est pas une fin. Je suis proche de ceux que j'aime et je suis certaine qu'au-delà de la mort, nous resterons liés à jamais. Ce serait très réconfortant si je pouvais croire aux contes de fées, mais c'est loin d'être le cas. Ça suffira pour aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Belinda. Ma grand-mère m'a demandé de vous apporter votre déjeuner. Oh, votre grand-père est parti en ville pour chercher du bois. Il va bientôt revenir. Alors, je vous le laisse ici. Attendez. Ça vous dirait de visiter la maison? Je suis désolée. Il vaut mieux que je rentre chez le docteur. Vous savez, je pensais que... Peut-être... Nous pourrions aller au restaurant ensemble. Oui, volontiers. Demain? Eh bien... D'accord. Allez, on y va.
Bonsoir, Charles. Bonsoir, Monsieur Davis. Drew Simpson retape la maison de son oncle. Il va avoir besoin d'aide. Il vous paiera un bon salaire. Et je crois que ça peut vous intéresser. Je peux le faire après mes heures au magasin. Ce serait bien. Ben alors, c'est d'accord. J'irai demain après le déjeuner. J'y serai aussi. Très bien. Monsieur Davis, merci beaucoup. J'apprécie votre geste. Je vous en prie, Charles. C'est normal. Je vous remercie. J'admire vraiment votre foi, Belinda, mais je ne peux pas la partager. Et même si je le voulais, cela ne changerait pas le fait que si j'ai réussi à survivre à cette attaque qui a failli me tuer, c'est uniquement parce que je sais que des cousins éloignés n'attendent que cela pour hériter de ma fortune. Je suis sûre que si vous êtes encore en vie, c'est que Dieu vous a confié une mission. Donner un sens à votre vie en aimant les autres. Pour ensuite les perdre. Vous ne seriez pas aussi blessée si vous n'étiez pas capable d'aimer. Il y a tellement de personnes qui souhaiteraient qu'on leur tende la main. Et qui sont ces personnes? À l'orphelinat, il y a des centaines d'enfants dont les parents sont morts ou alors leurs parents les ont tout simplement abandonnés. Ah, alors vous suggérez que je donne mon argent? Il n'y a pas que l'argent. Il y a vous aussi. Vous avez tant d'amour à donner et ils en ont tant besoin. Et si nous reprenions nos exercices? Essayez de prendre la tasse. Une seule main. Le meilleur thé que j'ai jamais goûté. Maintenez la porte. D'accord. Et voilà. Merci encore, Charles. Je crois que sans vous, je n'aurais jamais réussi. Bah, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Simpson. Drew. D'accord. Drew. Je peux vous poser une question à propos de la loi? Bien sûr. C'est pour une adoption. Ah, avec votre femme, vous pensez adopter un enfant? Non, pas exactement. Sally était mariée avant qu'on se rencontre et son premier mari est le père de Caleb. Et c'était un moins que rien. Il les battait tout le temps, Sally et Caleb. Elle a réussi à divorcer? Ouais. Il s'est bagarré dans un bar. Il a salement amoché un type. On l'a mis en prison. Et ça a permis à Sally de s'en sortir, mais ils vont bientôt le relâcher. Et je sais qu'il va revenir chercher Caleb. Alors, si je peux l'adopter et faire de lui mon fils, personne ne pourra le reprendre? Oui, c'est exact. Sally a très peur qu'il refuse d'abandonner ses droits sur Caleb. Eh bien, c'est vrai, normalement, il doit donner son accord. Mais comme il a été en prison, pour le tribunal, vous devenez prioritaire. Vous êtes sûr de ça? Eh bien, je vais déposer une demande auprès du tribunal et on verra ce que le juge en dit. Merci. Le souci, c'est que je ne peux pas vous payer tout de suite. Je ne vous demande rien. Je ne fais pas la charité. Considérez que c'est une part de votre salaire. Une sorte de bonus pour avoir fait du bon boulot. Bon, d'accord. Merci, Drew. Ça me fait plaisir, Charles. Je viens de passer le barreau. Je vous débarrasse. Quand je rentrerai, je travaillerai dans le cabinet de mon père. Est-ce qu'il s'occupe d'affaires criminelles? Non, c'est surtout un avocat d'affaires. Il travaille pour des sociétés, il rédige des contrats. Vous voyez, ce genre de choses. Mon père représente quelques-unes des personnes les plus riches de New York. Alors vous défendez uniquement les riches? Eh bien, c'est notre clientèle. Ils n'en ont pas besoin, vous pourriez défendre les pauvres. Il faut bien que nos honoraires soient réglés. C'est tout ce qui vous importe, l'argent? Ne soyez pas ridicule, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Oh, vous ne semblez pas avoir une vraie passion pour le droit. Ah, vous savez, la définition du droit, c'est la raison libre de toute passion. Voulez-vous marcher un peu? Je dois aller voir Madame Stafford Smith. Pas longtemps. Vous avez toujours voulu être avocat ou c'est ce que votre famille attendait de vous?
Il a toujours été entendu qu'un jour je reprendrai le cabinet de mon père. Et votre mère est d'accord? Ou est-ce que son opinion ne compte pas? Alors, son avis aurait une grande importance si elle était encore vivante. Elle est morte quand j'avais 8 ans. Oh, je n'en savais rien, je suis désolée. Oh, non, vous allez trouver ça étrange, mais pendant longtemps, je me suis inventé un petit jeu à chaque fois que je sortais. Je m'imaginais qu'en rentrant à la maison, elle serait là, cachée quelque part en attendant que je la trouve. Et la seule personne que je trouvais, c'était la gouvernante que mon père avait engagée. Oh, mais sur le plan matériel, je n'ai jamais manqué de rien. Tout ce que je voulais, je l'obtenais. Mais la seule chose dont je rêvais, c'était de voir ma mère quand je rentrais à la maison. Vous êtes privilégié d'avoir vos deux parents. En fait, j'ai été adoptée. Oh, je n'aurais jamais cru que ce n'était pas votre vraie famille. Enfin, je veux dire... Non, je... Ce n'est pas grave. Au début, je ne les considérais pas comme ma famille. Et j'ai compris que l'affection qu'on éprouve n'a rien à voir avec les liens du sang. Il suffit d'ouvrir son cœur et de le laisser parler. J'admire les liens qui vous unissent au sein de votre famille. Pourquoi? Vous vous aimez vraiment. Depuis la mort de ma mère, je n'ai pas ressenti ça. Ce sentiment de sécurité, de confiance. Savoir que quelqu'un sera toujours là pour vous. Et que vous ne serez plus jamais seul dans la vie. Ouais. C'est tout à fait ça. Vous voyez? Bien, bien, bien. Vous avez fait des progrès remarquables, Madame Stafford Smith. Je peux vous dire que je suis vraiment impressionné. Pour être franc, je n'étais pas sûr que vous retrouveriez l'usage de votre bras. J'en doutais aussi, docteur, mais Belinda s'est montrée inflexible avec ma rééducation. Elle a supporté mes jérémiades et mes plaintes, mais elle ne m'a jamais abandonnée. C'est une jeune fille admirable, docteur, vous ne pensez pas? Oui, en effet, je le crois. Elle est admirable, en effet. Bon, je sais que vous avez hâte de repartir pour Boston, alors je crois que vous allez pouvoir rentrer chez vous. Oh, merci, docteur. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe au point de courir chez ta grand-mère? Il me semble que pour la première fois dans ma vie, tout se complique. Ça a quelque chose à voir avec Drew Simpson, c'est ça? Je me sens attirée par lui et c'est pas une bonne chose. Pour toi ou pour lui? Les deux. Je commence à m'attacher à lui et je sais que je devrais pas. J'ai l'impression que ça devient plus compliqué tout d'un coup. Jusqu'ici, j'avais toujours su comment répondre à mes questions. Tu voudrais que ce soit aussi simple que dans ton enfance. Tu adresserais une longue prière à Dieu et ensuite tu écouterais ses conseils. Oui. Belinda, c'est toujours aussi simple. Vous voulez faire une pause? Pardon? Ah, oh, non, 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 tout va bien. Ah. Quelque chose vous préoccupe? Non, c'est rien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer une personne qui se révèle tout à fait différente de ce que vous pensiez d'elle? Je crois que nous avons tous fait cette expérience au moins une fois. Quand j'ai rencontré Belinda, j'ai été pris dans un tourbillon. Et c'est mal? Je dirais que c'est compliqué. Elle n'arrête pas de remettre en cause des choses que je croyais évidentes. C'est-à-dire? Où je vais vivre, ce que je vais faire. Je me demande si ma vie a un sens, finalement. J'y comprends plus rien. Oh, c'est souvent le cas avec une femme. Je sais ce que je veux faire de ma vie. Je veux vendre cette maison, repartir à New York, travailler dans le cabinet de mon père, me marier et fonder une famille. Alors dans ce cas, quel est le problème? Belinda, c'est elle le problème. Je ne veux pas penser à elle, je ne veux pas m'engager. Elle n'est pas du tout le genre de femme que j'avais prévu d'épouser. Elle veut faire carrière dans une profession d'homme. Elle a des opinions sur tout. Un franc-parler. Elle est déterminée. Brillante. Gentille. Et vous dites que c'est un problème? Je dirais plutôt que c'est une chance. Oh. Votre main? C'est mon doigt. Je crois qu'il est cassé. On devrait faire une loi qui vous interdise de prendre un marteau. Pour votre information, la première fois que je me suis blessé, c'était avec du barbelé. Vous devriez vous contenter de faire du droit. Belinda, c'est où je tiens un coup d'œil à la main de ce garçon?
Vous pouvez le bouger? Oui, je crois. Ce n'est qu'un petit hématome. On met une attelle en cas de fracture. Ça ne sera pas pratique pour vos travaux. Laissez ça. Et si vous déjeuniez avec moi aujourd'hui? Je ne peux pas, je suis désolée. Demain alors? Je serai avec Madame Stafford Smith. Alors peut-être une autre fois. Vous voulez un bandage? Quoi? Non. Non, pas de bandage. Si vous voulez m'excuser, j'ai du travail à finir. Linda, attendez. Je dois rentrer, Drew. J'ai des choses à faire. Pourquoi vous êtes comme ça? Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Si, j'en suis sûr. Quand les travaux seront finis, vous repartirez à New York, c'est ça? Eh bien... Oui. Moi, je resterai ici. Alors, où ça nous mène? Vous allez retrouver une vie que je ne peux même pas imaginer. Vous allez reprendre vos affaires avec vos riches clients, vous fréquenterez le beau monde, vous irez au bal et vous danserez avec les plus belles filles de la haute société. Au bout d'un certain temps, vous m'aurez même oublié. Donnez-moi la longe. Allez, en route. Tiens, qui ça peut bien être? Ah, bonsoir, Charles. Bonsoir, shérif. Désolé de vous déranger au milieu du repas. Vous voulez dîner avec nous, Charles? Non, merci, madame. Je suis juste passé apporter ça pour Melinda. Drew s'est encore blessé. Le mieux, c'est que j'aille le voir. Je serai de retour au plus vite, maman. Merci, Charles. Shérif. Je crois que ça appartenait à ma tante. Elle devait beaucoup compter pour mon oncle. Ce n'est pas une vraie salle de bal. Il n'y a pas d'orchestre, mais... Mais si vous m'accordez cette danse, je vous promets, Belinda, que jamais je ne l'oublierai. Vous savez que ça ne change rien, Drew. Au contraire, ça change tout. Je dois y aller. Je vous vois demain? Je ne crois pas. Alors, à demain. Le docteur Jackson m'a autorisé à faire le voyage pour rentrer chez moi à Boston. Merci. Je suis très heureuse, Madame Stafford Smith. Mais je crois que vous allez me manquer. Je voudrais que vous veniez avec moi, Belinda. Oh, si vous êtes inquiète pour le voyage, monsieur... Oh non, je ne cherche pas de l'accompagner pour le voyage. Je souhaiterais vous emmener à Boston et que vous viviez chez moi. Vous m'accompagnerez à l'orphelinat, je voudrais rencontrer les enfants. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je vais vous donner le nom de cet orphelinat. Non, Belinda, il y a autre chose. J'aimerais vous payer vos études de médecine dans une bonne université. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous contenter de vos rêves de petite fille. Il est temps pour vous d'avoir de l'ambition.
Vous ferez un très bon médecin, Belinda. Oh, c'est beaucoup trop généreux de votre part, Madame Stafford Smith. Je suis vraiment désolée, je ne peux accepter. Mais pourquoi refuser? Eh bien, parce que ça me prendrait des années pour vous rembourser. Mais enfin, je n'attends qu'un retour, c'est un cadeau. Je suis une femme très riche et je peux me permettre de faire ça pour vous. J'aime à croire que si ma petite Lucie avait vécu, elle vous aurait ressemblé comme une sœur, Belinda. Et même si j'acceptais votre offre, il ne voudrait jamais me laisser entrer à l'université. Je crois que beaucoup ne sont pas ouvertes aux femmes. À l'hiverne que tout ça, ce n'est vraiment pas un souci. Il me suffit de faire signe à mon ami Sam Gregory. Le docteur Samuel Gregory? Le docteur Samuel Gregory qui a fondé à Boston l'université de médecine? En effet, le seul et l'unique. Oh, je ne sais pas quoi vous dire. Eh bien, dites oui. Oh, je vous remercie, Madame Stafford Smith. Je suis si heureuse. Maintenant, je sais que vous devez en discuter avant tout avec votre famille. Et quand je quitterai la ville la semaine prochaine, j'espère que vous serez avec moi. Je crois que c'est la chance de ta vie et il ne faut pas la laisser passer, Lindy. Il est vrai que Boston est très loin d'ici et que tu vas nous manquer. Vous aussi, vous allez me manquer. Et papa, grand-père, Maddie et Jacob. Oh, je vais laisser Jacob. Je prendrai soin de lui, il ne sera pas seul. En plus, nous savions qu'il te faudrait quitter Anderson Corner un jour ou l'autre si tu voulais poursuivre des études. Ça me fait peur quand je pense à tous ceux que je laisse. Quand il a fallu que je quitte la côte Est, j'étais inquiète aussi. Moi aussi. Quand je suis partie avec mon premier mari, je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait. Tout ce que je savais, c'était que je quittais la seule maison que j'avais jamais connue. Alors comment vous avez fait? Quand tu dois faire face à l'inconnu, tu dois rassembler tout le courage que tu peux trouver et te dire simplement que si c'est ce que tu désires au fond de toi, alors tout marchera comme tu le veux. Et dans le cas inverse, tu peux toujours revenir à la maison. Alors vous croyez que je dois partir? Je crois que tu dois faire ce que ta mère et moi avons fait, prier le Seigneur et ensuite décider. Belinda, quelle bonne surprise! Je n'ai pas beaucoup de temps, Drew. Il m'est arrivé une chose vraiment incroyable et il fallait que je vous le dise. J'espère que c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est inespéré. Madame Stafford Smith m'a proposé d'aller à Boston avec elle. Elle veut me payer mes études. Oh, c'est formidable. Je sais ce que ça représente pour vous. Vous savez, Boston n'est pas très loin de New York, peut-être que nous pourrions... C'est inutile, Drew. Et vous le savez. Pourquoi? Dès que j'aurai passé mon diplôme, je reviendrai ici. Je veux travailler avec le docteur et j'espère lui succéder. Peut-être que vous changerez d'avis une fois à Boston. Il y a tellement d'opportunités. Rien ne remplacera Anderson Corner. Ici, il y a ma famille et des gens qui comptent sur moi. Il n'y aura plus de médecin quand le docteur sera parti. Belinda, nous avons le temps d'y penser. J'y ai déjà pensé, Drew. J'ai prié Dieu si fort. Je ne serai jamais de votre monde. Ma vie est ici. Si nous vivions un jour ensemble, l'un de nous serait malheureux. Belinda... Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Attendez. Belinda! Jonas Barnes. Il s'est blessé à la jambe. La gangrène s'est déclarée, il faut l'amputer à partir du genou. Vous allez pouvoir le sauver? La jambe est bien atteinte. Je n'en sais rien. Mais si je ne le fais pas, il mourra dans la journée. Je tiens à vous aider. Belinda. C'est une intervention très risquée. Et extrêmement éprouvante. Je tiendrai le coup, docteur. Cora, je voudrais que vous attendiez dehors. Je viendrai vous chercher quand on aura fini. Bien, Jonas. Nous sommes prêts. On y va? Peut-être que vous pourriez dire une prière avant. Bien sûr. Belinda.
Seigneur, nous te remercions d'être avec nous aujourd'hui dans cette épreuve. Nous te prions de donner la force au Dr Jackson. Accorde à Jonas la paix et le courage. Et enfin, apporte à Cora le réconfort de ta présence en ce jour. Amen. 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 Vous allez vous allonger maintenant. Tout va bien se passer. Belinda. Vous allez compter avec moi, d'accord? D'accord. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. C'est bon. Ça y est. On y va. Alors. Nous allons entamer la procédure qui va faire de vous le père légal de Caleb. Vous devez juste les signer, ensuite je déposerai les papiers chez le juge. Vous croyez que le juge va autoriser l'adoption? Il n'y a aucune garantie, mais je crois que vous pouvez être confiant. À votre tour, Charles. Je peux signer pour lui? J'ai bien peur que non. Vous n'avez qu'à faire une croix juste à côté. Vous savez, vous êtes mes premiers clients. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Je vous remercie, bro. J'apprécie votre geste. Tout plaisir est pour moi. Merci, Sadie. Charles, nous n'avons jamais parlé de ce qui s'est passé avec Caleb. Je voudrais t'expliquer. Non, c'est inutile, Sadie. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te mentir. Mais je ne comprends pas pourquoi tu refuses que j'apprenne à lire. J'ai peur que si tu apprends à lire, tu découvres qu'il existe ailleurs un monde merveilleux. Et ça, jamais je ne pourrais vous l'offrir à tous les deux. Charles, écoute. Je n'ai jamais rencontré un homme aussi attentionné que toi. Je n'ose pas imaginer ce que je serais devenue sans toi. Oh, Sadie, je vous aime tant tous les deux. Et je serais tellement fier de donner mon nom à Caleb. Mais je me demande si un jour il n'aura pas honte de moi. Tu sais ce qui pourrait rendre Caleb fier de toi, Charles? C'est de voir que son père a le courage de faire quelque chose de très difficile. Et cela uniquement parce qu'il aime son fils plus que tout. Si j'arrive à le faire, je suis certaine que tu y arriveras aussi, Charles. Je serais content si un jour je pouvais lire un papier qui dit que je suis le père de Caleb. Je crois qu'on pourrait apprendre ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Cora? Cora? Ne bougez pas, monsieur Barnes. Cora. Calmez-vous. Monsieur Barnes. Cora! Monsieur Barnes! Oh, non. Que s'est-il passé? Il était terrifié, il a appelé Cora, j'ai essayé de le retenir, mais je ne pouvais. Ça ira, maintenant, allez vite chercher des bandages. Allez, dépêchez-vous. Allez, vite, c'est urgent. Allez, un petit effort, Jonas. Oh, il est arrivé. Voilà, c'est bon. Ça y est, il faut vous calmer, Jonas. Hein, calmez-vous. Calmez-vous. Tout va bien, détendez-vous. Jonas, respirez calmement, tout ira bien. Calmez-vous. Écoutez-moi, Jonas, ça va aller, il faut vous détendre. Chut, 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 chut. Allez, allez, chut, chut. Calmez-vous. Jonas? Non, non, ne partez pas, je vous en prie, non. Oh. C'est pas vrai.
Jonas. Bonjour, Lindy. Sortez un instant, les garçons. Ma pauvre chérie. J'ai essayé, grand-mère, je te le jure. Il était si fort. Comment il a pu être si fort après tout ça? Il était très effrayé. La peur donne de la force. Je n'avais pas vu mourir quelqu'un depuis ma mère et ma petite sœur. C'était horrible de voir la vie s'en aller aussi vite. Je suis vraiment désolée, chérie. C'était si affreux. Ce n'était pas ta faute, Belinda. Ça va aller. Pour lui, ce doit être très dur de perdre un patient alors qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour le sauver. Mais une fois passée la tristesse et la frustration, alors je suis sûre qu'il viendra vous dire que ce n'est pas votre faute. Si c'est le cas, alors pourquoi je me sens tellement fautive? Parce que vous avez à cœur d'apaiser les souffrances de votre prochain. C'est ce qui vous rend si sensible et si vulnérable. C'est aussi ce qui fera de vous un très bon médecin, j'en suis convaincue. Je ne suis plus sûre de vouloir être médecin finalement. Je vais rester ici et continuer à être l'assistante du docteur. Belinda, arrêtez, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai bien peur que si. Non! Bonjour, Madame Stafford Smith. Avez-vous dit à Belinda que c'était sa faute si ce pauvre homme était mort? Bien sûr que non. Lui avez-vous dit que ça ne l'était pas? Vous ne voulez pas dire... Eh bien, je ne croyais pas... Si, justement. Eh ben voilà. Eh oui, c'est fini. Je crois que vous n'aurez plus de problème pour trouver un acheteur. Je sais déjà à qui je vais la vendre. Charles, aimeriez-vous, saviez-vous, vivre dans cette maison? Ah, on ne peut pas s'offrir une maison comme ça. Et si je vous avançais l'argent? On ne pourra jamais vous rembourser. Disons que c'est une hypothèque. À part que vous me paierez quand vous pourrez. Je vous dois beaucoup, Charles. Grâce à vous, j'ai enfin compris à quoi servait un avocat. D'abord à aider quelqu'un qui en a besoin. Alors, Charles, qu'est-ce que vous en dites? Vous ne voulez pas me débarrasser de cette maison? Si, si, c'est d'accord. Ouais, je vous félicite, c'est un beau geste. Bravo. Merci, hein. Merci. De rien. Docteur, je suis vraiment désolée de vous quitter, mais vous aviez raison. Je ne suis pas faite pour être médecin. Oh! Il y a un problème? Elle peut à peine respirer, je l'emmène chez le médecin. Ça ira. Où est le docteur? Il n'est pas là. Belinda, j'ai besoin de vous. Vous devez faire quelque chose, elle est toute bleue. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je suis désolée. Vous êtes sa seule chance de s'en sortir. Je ne veux pas être responsable de la vie de Sally. C'est votre destin, d'accord? Et c'est la volonté de Dieu. Vous devez avoir confiance, Belinda.
J'ai confiance. S'il vous plaît. D'accord, on y va. Alors, elle a du mal à respirer. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi souffre ma fille? Ça peut être beaucoup de choses, si jamais mon diagnostic est mauvais. Je vous en prie, Mélinda. Tu peux ouvrir la bouche, s'il te plaît? Il y a un abcès au niveau des amygdales. Alors c'est peut-être ça? Je n'en sais rien. Ça peut être une coïncidence. Vous avez des médicaments pour ça? Non. Il n'y a qu'une chose à faire. Il faut que j'arrive à le percer. Alors faites-le! Mais vous devez savoir, Caroline, que je n'ai jamais pratiqué cette intervention. Je vais vous aider du mieux que je peux. Qu'est-ce que je fais? D'accord, prenez le plateau et le masque. Chérie, ça va aller. Vous l'humectez avec ça. D'accord. Mettez-lui sur la bouche pendant 5 secondes. 5 secondes. Tenez-lui la tête pour qu'elle ne bouge pas. Je t'en prie, Seigneur, guide ma main. On dirait qu'elle va mieux. Mélinda, c'est grâce à vous. J'aurais pu échouer. Et ça aurait été une catastrophe. Mais vous avez réussi. Vous avez compris très vite ce qu'il fallait faire et vous n'avez pas eu peur de le faire. J'étais terrifiée à l'idée qu'elle meure. Ça ne vous a pas arrêté. Mélinda, je n'ai pas arrêté de vous chercher partout. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est? Mélinda a sauvé la vie de ma fille. Est-ce que tu veux bien ouvrir la bouche? Ouais. Je parie que cette gorge t'a fait bien des misères, pas vrai? Tu auras le droit de demander à ta maman qu'elle te prépare une bonne crème au lait frais. Elle l'a mérité. Et que vous lui avez sauvé la vie. Mais pas celle de Jonas. Oui. À propos de cette histoire, je dois vous dire que je vous demande de me pardonner. Vous n'êtes pour rien dans la mort de Jonas. Je n'ai pas réussi à le maîtriser. Jonas n'est pas mort à cause de ça. Il était mourant quand il est arrivé ici. Nous avons essayé de le sauver, mais c'était déjà trop tard. Son état était critique. N'a pas supporté l'opération. Je vous ai dit que c'était toujours difficile de perdre un patient. Je sais de quoi je parle. Ça fait 40 ans que j'exerce. Et le temps ne fait rien à l'affaire. Si ça vous touche autant, je dirais que c'est bon signe. C'est que le sort de vos patients vous préoccupe beaucoup. Vous savez, je crois que je ne suis pas capable d'être médecin. Oh, si, vous avez intérêt, jeune fille. Vous allez partir à Boston avec Madame Stafford Smith. Mais je veux que vous me promettiez de tout faire pour devenir médecin avant de revenir ici. Docteur. Bon, non. Arrêtez de pleurer, sinon... Je vais finir par penser que c'était une erreur. C'est pour m'avoir fait confiance alors que je n'y croyais plus. Mmh.
Tu es sûr que tu ne veux pas qu'on t'accompagne à la diligence? Je préfère qu'on se dise au revoir ici. Tu sais, avec le train, Boston n'est pas aussi loin que ça. Est-ce que ça va, Belinda? Oui, maman, ça va. Tu as peur de partir avec Madame Stafford Smith? Non, plus maintenant. Je sais que j'ai pris la bonne décision. Alors c'est parce que tu penses à Drew? Je l'aime, maman. J'en suis sûre aujourd'hui. Mais je sais que c'est impossible. Alors tout ce qui me reste, c'est un rêve. Je suis passé vous dire au revoir, Clark. Et je voulais vous dire merci pour tout. Vous rentrez chez vous? Charles et Sadie ont emménagé à la ferme. Alors ça y est. Je pars à New York demain. Je pense que Belinda est partie. Nous lui avons dit au revoir avec Missy ce matin. En ce moment, elle doit attendre la diligence. Vous m'avez demandé une fois comment j'ai su que j'aimais Marty. Mais vous ne savez pas ce que j'ai fait après. Qu'avez-vous fait? Elle devait prendre le train. Elle rentrait chez elle. Je l'ai rattrapée. Quand vous aimez une personne, que vous l'aimez vraiment, vous ne la laissez pas partir. Je vous remercie de vos conseils. Alors dans ce cas, qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous avez une diligence qui vous attend. Dernier appel à tous les voyageurs! Dernier appel, la diligence va partir, attention départ! Oh, Belinda! Oh mon Dieu! Attendez! Je travaillerai à Boston pendant vos études. Après, nous reviendrons ici. Vous voulez bien être avocat à Anderson Corner? C'est dans cette ville que j'ai appris à aimer la loi. Et c'est votre ville. Je suis sûr maintenant que ma vie est ici. Votre vie est ailleurs, Drew. Ma vie est avec vous. Je vous aime, Belinda. Voulez-vous m'épouser? Oh, il y a un train qui part pour Boston à peu près tous les jours. Vous n'avez qu'à en prendre un la semaine prochaine. Windsor vous attendra à la gare. J'accepte de me marier avec vous. Andrew, voulez-vous prendre Belinda pour légitime épouse? Lui promettre fidélité dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, et l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Et vous, Belinda, voulez-vous prendre Andrew pour légitime époux? Lui promettre fidélité dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, et enfin de l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Déclare désormais mari et femme. À bientôt.
Prenez soin de vous. Oui, je vous le promets. Bonne chance, soyez heureux. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, grand-père. Prends soin de toi, ma chérie. Au revoir, Jacob. Et sois sage, hein. Marty. Attention à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Prenez soin de ma fille. Promis. Tu es prête? Au revoir. Au revoir.